Permettez-nous tout d'abord de nous présenter, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Charles-Édouard de la Queverny. Pierre-Édouard de la Queverny. Jean-Édouard de la Queverny. Nous sommes cousins. Absolument. Oui. De la même mère. Bien entendu. Alors bienvenue dans cette inauguration. Bien entendu. Voilà. L'espace Grand Nord vous ouvre ses portes et nous vous accueillons bien sûr chaleureusement. Oui, alors nous accueillons très très chaleureusement. Avec un énorme plaisir. Avec une folie totale. Alors l'histoire. Oui, très rapidement. Oui. Hein. En quelle année fut construit, édifié, bâti le parc zoologique et botanique de Mulhouse? Moi, je crois que c'est en 1868, cher cousin. Absolument. Absolument. Mais quelle connaissance, quelle culture. Il y a 146 ans, n'est-ce pas? Bravo. Oui. Donc là. Sous le règne de Jean Dolphus. Absolument. À l'époque, maire de Mulhouse. Donc, maître de la petite bourgade de Mulhouse, Janice. Oui, parce qu'à l'époque, c'était un village. Oui. Comme ça. Et ensuite, oui, la cime, c'est la société industrielle de Mulhouse, oui, a pris les choses en main, donc pour oxygéner un petit peu le peuple mulhousien à venir un peu s'époumouner, on peut dire ça comme ça. Oui, l'ouvrier, le travailleur, n'est-ce pas, le bas peuple, qui était en bas de la colline. Alors c'est en 1974, oui, je sais le chiffre. Oui, en 74. Oui, que nous eûmes. Cheminant les allées, n'est-ce pas, oui, en calèche. Un beau matin de brume. Oui. L'idée s'imposa naturellement à nous. Oui. Absolument. De bâtir un espace pour nos amis du Grand Nord. Oui, un espace froid-dur. Froid-dur, oui, que nous avons appelé froid-dur. Oui, espace bico si vous préférez. Tout à fait. Mais nos chers amis se sentaient un petit peu en déprime, si je peux me permettre cette expression. Un oui, peu, ils étaient sales et solés. Oui, dans le béton, n'est-ce pas? Oui, dans le béton. Et c'est ainsi que, moultes années après... Oui, moult. C'est bien pour ça que nous sommes réunis ce soir. Oui. Nous rafraîchîmes, n'est-ce pas, cet espace nordique. Oui. Nous sommes là incognito, cher ami. Nous sommes là juste pour divertir un peu le peuple, n'est-ce pas? Nous sommes les cousins de la Queverny et nous sommes subrepticement. Vous capotinez. Non, je ne capotine pas, j'explique qui nous sommes, cher ami. Un des cousins de la Queverny qui est avec moi. Voilà. Charles-Édouard. Voilà. Nous sommes cousins de la même mère. Ce qui est un peu étonnant, je l'avoue. Voilà. Nous allons continuer la visite du parc zoologique et de l'espace Grand Nord. À tantôt. Allez,